Bonjour, je suis Arnaud Vacheran, éditeur du site machine-outils.com. Sur le salon CIMODEC, Orbatech a exposé un centre d'usinage horizontal Doosan qui se distingue par la stabilité de sa structure, son magasin à tambour intégral et ses options de commande numérique. Alain Kirwani, coordinateur des ventes chez Orbatech, nous en présente les principales caractéristiques. Ici, on a la nouvelle gamme de machines-outils, donc en catégorie centre d'usinage horizontal de Doosan. Donc là, c'est le NHP 4000 et 5000, donc ici c'est un NHP 4000. En l'occurrence, le NHP 4000 est un centre horizontal qui a 400 mm par 400 mm de taille palette. Alors la particularité de cette machine, en fait de cette gamme de machines, puisqu'en fait on a exactement les mêmes choses sur la gamme 500 par 500 de palette, c'est que l'on a en premier temps, et le plus important, c'est qu'on a un bâti qui repose sur trois points au sol. Donc cette particularité fait que l'intégralité de la rigidité machine est supportée par le bâti inférieur, ce qui évite de faire des travaux de génie civil, d'ancrage, etc. Une simple mise à niveau suffit. Donc là, on a des coûts beaucoup moins élevés, on a beaucoup plus de facilité pour le client final éventuellement à bouger la machine s'il veut organiser son atelier différemment. Donc cette machine, donc telle que présentée là, elle est en 15 000 tours. On a aussi d'autres options CN. Au niveau des rapides, les rapides bien évidemment ont augmenté puisqu'on est à 60 mètres sur tous les rapides, ce qui permet d'avoir une réactivité beaucoup plus grande. Au niveau du magasin, dernière chose qui est très intéressante, on n'a pas de magasin à chaîne, on a un magasin avec un tambour intégral, ce qui permet en gros de toujours avoir la même masse tournante, que ce soit horaire ou anti-horaire. Ça permet d'aller beaucoup plus vite d'un poste à l'autre. Et on n'a pas les effets de brin tendu, brin détendu au niveau de la machine. Bien évidemment, le principe de Doosan reste le fait qu'une Doosan doit être le plus rapidement possible prise en main par le client. Et pour ce fait, toujours pareil, on peut décliner les Doosan en Fanuc, en Siemens, pour certains centres verticaux en Heidenheim, ce qui permet systématiquement au client d'avoir une Doosan qui arrive et que l'opérateur qui opère sur une CN identique n'est pas dépaysé et immédiatement opérationnel. Vous pouvez retrouver nos actualités quotidiennes sur les machines, logiciels, outillages et services sur notre site machine-outils.com et n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. À très bientôt.